l'AGPI, le Gabon en temps réel. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la capsule Gabon Matin de la semaine sur la Web TV de l'agence gabonaise de presse. Présidentielle 2023, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Steve Diego Dieko, met en garde certains responsables locaux qui freinent la bonne marche du parti. Titre le journal Gabon Matin dans sa parution cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. À la page 2, Société et Culture ouvre un dossier sur le phénomène d'abandon d'enfants qui fait encore l'actualité dans le pays. La rubrique vous propose un témoignage poignant, mais également, elle va à la rencontre d'un psychologue clinicien pour comprendre ce phénomène. Et puis en économie, on parle de la livraison de la première phase de la Baie des Rois qui aura lieu en septembre 2022 selon la filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique Façade maritime du Champ Triomphal. L'intégralité de ces articles, c'est naturellement dans le journal Gabon Matin, disponible en kiosque. Merci à vous, qui de près ou de loin, vous nous suivez sur toutes les plateformes de l'agence gabonaise de presse. Au revoir et je vous dis à bientôt.